Et salut les mauveurs, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, c'est le retour. Donc demain, je vais sur piste. Je vais vous filmer la mobylette comme elle est actuellement. Et puis, vite fait. Et on se retrouve demain sur la piste. Voici la petite 103 RCX. Donc ça sera la 103 RCX qui sera prise demain vu que c'est ma plus puissante. Voilà, pour ceux qui avaient suivi. Bon, vous n'avez pas eu de vidéo de test ou quoi que ce soit, j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, vous la connaissez déjà pour ceux qui suivent. Hop, transmission 10 par 59 pour quand même la piste, pour que ça suive. J'ai un pignon neuf au cas où, on fera des tests, on verra bien. Kit 50 Doppler, je le rappelle. Voilà, le gros radiateur mobilette, variateur boost. Pipe CBE, carburateur 19, quart thermal aussi, vilebrequin Omega et allumage MBT-DD. Et le pot Ninja baisse performance. Voilà. Donc plein de mismatch de pièces. Ça marche pas trop mal. Et voilà. Bon, je vais pas plus blablater. Donc demain, on va aller essorer la poignée enfin depuis le temps que je rêvais d'aller sur piste. Là, ça va être chose faite. On va voir les copains depuis un petit moment que je les ai pas vus. Et puis, on va voir comment ça se passe. Allez. Allez, on arrive au circuit de karting. On commence à décharger. Voilà. Là, tout le matériel a déchargé dedans, le paddock, les outils. Là, les mobs qui commencent à arriver. Le circuit de Teja. Voilà. Là-bas, la piste, elle est en bas. Là, la petite piste ici. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, la piste est magnifique. Donc là, vous voyez qu'une partie, parce que c'est caché derrière. Franchement, belle, belle piste. Là, l'entrée des stands. Et là, donc les paddocks, j'ai monté le mien. Là, les petites mobs. Voilà, la petite RCX. Donc il faut les tapis. Ah, bien sûr, des hybrides, des sacrés monstres. Mob Vintage qui a sorti son Excalibur. Il est pas réglé, c'est de la merde. Ouais, c'est bon, c'est pour la piste, c'est pour la piste, on va régler tout ça. Moteur, c'est un nouveau moteur alors. Et le vilebrequin en soit de 20. Ouais, ça rigole pas. Mais je l'ai pris dans le pied la dernière fois alors. Ouais. Faut éviter une deuxième fois quand même. Donc vilebrequin bidalo soit de 20 avec le variateur bidalo. Et Silane bidalo, c'est ça? Full bidalo ouais, là. Allez collègues, avec les MBK préparés. Faut que j'aille au camion? Non, c'est bon, Mika, il est parti. C'était juste le temps de bidaler. Hybride ça aussi, ouais. Ouais, hybride. Des grosses machines. Bon, après, on est sur piste, c'est normal. Hein. On va pouvoir se faire plaisir. Je suis le seul débile avec un frein à tambour, mais j'ai peu à peur de la mort, donc ça va. Pouah, sacré engin. T'as en combien là? 106. Pouah, ouais, en effet. En effet, en effet.
aligner mon moteur, j'ai le vario qui est trop lourd maintenant, je m'en doutais. Ouais, marche, moi j'aime bien. Ouais. J'ai fait frotter le pied. Ah putain. Mais tu prends de la confiance, elle est belle la piste là, les pneus ils accrochent. Ouais. Moi j'ai peur pour mon pont. Mais moi c'est les pieds qui ont touché. Ah c'est pas mal. Hein. Ouais, j'aime bien. Tu sais ce qui serait trop bien à faire avec l'accord des organisateurs, c'est... Voilà, organiser comme une Tomahawk Cup, comme il faisait. Ouais, mais c'est compliqué. Là. Je sais, mais à voir. Un truc, tu vois, simple. Bon, de retour pour la première session. Franchement, bien plaisant. J'ai bien kiffé, ça a été vraiment cool. Donc là, on va prendre un peu plus ses aises. Je vois que j'ai frotté un peu le pied, donc ça fait plaisir. Mais bon, mollo, on va pas gaufrer la mobilette. Donc voilà, là les stands. Voilà, sympa, franchement sympa, une petite journée comme ça. Merci au circuit de Téja. On est en Dordogne, qui nous permet de faire ça. C'est vrai qu'on n'est pas licencié, on n'a pas des machines... homologué pour la piste comme au TGO ou quoi que ce soit où il y a beaucoup plus de normes. Là c'est vrai qu'on est un peu à la one again, mais ça fait plaisir, au moins on peut rouler en sécurité et légalement. Donc voilà, allez, on est reparti pour aller faire un peu de piste.
froid là. Tiens, je peux pas pencher moi. Ouais. Bah le pot, je vais pas niquer le pot. Hein. Ah ouais. Moi ouais, ça va, ça. T'as pas besoin de faire une grosse pointe et tout ça. Voilà. C'est pour le plaisir de partir. Hein. Ça c'est ligne droite. L'Excalibur. Il va doucement ta taf. Bordel. Thank you.
La bougie, elle est morte. Pour ça, des fois, j'avais des... J'ai dit, ouais, je continue parce que les choses sont en cours. Ma petite R6, ça marche super bien, je suis bien content. On pourrait tirer plus, mais c'est pas mal, c'est fiable, elle encaisse les tours, ça c'est pas mal. Après bon, ça chauffe pas, 60 degrés en thermosiphon avec ce gros radiateur mobilette. La machine, moi, pour moi, elle est équilibrée, même si elle a le frein de tambour, ça va, ça passe, vu que j'y vais tranquillou, je désaccélère un peu avant, franchement ça va.
Après, bien sûr, là, j'ai tout le système de frein à disque qui est à la maison. Il ne me reste plus qu'à acheter la fourche, ça sera fait. Par plus de sécurité, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Mais dans cette config, j'arrive à bien pencher et je prends du plaisir, c'est cool. Donc voilà, bien content. Une belle petite journée. Bon, fini la matinée, donc c'était une matinée de roulage, donc fini. Bon, moi j'ai cassé juste mes deux axes basculeurs, voilà. Là, juste à la fin, bon, malheureusement, ça arrive avec les pièces d'aujourd'hui. Ça arrive, donc ça c'est cassé, bon, voilà. Mais sinon, rien de cassé, je suis pas tombé, c'est le principal. Là, il n'y a pas eu d'accident, rien, tout le monde s'est fait plaisir cette matinée. Sacrée expérience. Voilà, tout le monde est heureux, ça a bien tourné, c'est bien cool des journées comme ça. Bon les mobeurs, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, moi j'ai kiffé ma matinée, et puis à très bientôt, salut.